Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du soir avec comme pour thème cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Journée internationale de la femme a été célébrée le 8 mars 2023 dans la salle du congrès du Palais du Peuple. L'invité de marque, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivez. Ces acclamations frénétiques des femmes à l'entrée du chef de l'État dans la salle des congrès du Palais du Peuple traduisent l'accompagnement de la junte féminine aux actions salvatrices du garant de la nation qui ne jure qu'au rétablissement de la paix durable à l'est du pays. C'est une première en République démocratique du Congo, la journée internationale de la femme, longtemps réduite au simple port des pagnes et à l'exhibitionnisme des défilés creux. Au son des tambours battants, a cette fois-ci laissé la place à un autre format plus instructif. Les femmes des différentes couches sociales étaient en face du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu à leur rencontre pour un échange sur des sujets liés à la femme et à la promotion de ses droits. Une approche pédagogique voulue par la ministre du Genre, Femmes et Enfants, qui s'est refusée toute célébration festive en solidarité aux femmes de l'Est du pays, victimes de l'agression prédatrice du Rwanda à travers le M23. Vous allez remarquer que je suis habillée en blanc. C'est-à-dire, c'est un signe de paix, qu'il y a des atrocités à l'Est. Mais notre prière et l'engagement du président de la République, c'est de mettre fin à ces atrocités, c'est de mettre fin à la guerre. Quand le pays n'est pas uni, comment nous allons aller aux élections? Comment ils vont voter là-bas à l'Est s'il n'y a pas la sécurité dans le pays? Donc moi, pour ma part, j'opte d'abord, s'il y a le budget, qu'on puisse d'abord tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la paix redeviennent à l'Est. Et puis ensuite, on pourra s'occuper des élections. Les femmes de la société civile se sont impliquées et ont demandé vraiment que les chefs de l'État viennent parler aux femmes. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des femmes qui, en fait, ont présenté des plaidoyers auprès du chef de l'État. Et c'était le message de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Femmes rurales, femmes politiques, celles évoluant dans la société civile et même celles victimes des violences des groupes armés opérant dans l'est de la RDC ont été représentées ici, au Palais du Peuple. Toutes ont plaidé pour le respect des droits de la femme dans tous les secteurs de la vie. Le chef de l'État, dans sa casquette de champion de la masculinité positive, titre le consacré depuis 2021 par ses pairs africains, a réitéré son attachement au respect des droits de la femme congolaise, faisant allusion au thème dont le choix au niveau national renvoie à la volonté du gouvernement de renforcer les mesures visant la promotion des droits des femmes et de veiller à leur mise en œuvre effective. Le président de la République, qui salue le rôle et l'implication de la femme dans la société, s'insurge cependant contre les croyances qui consacrent l'indignité et l'inégalité de la femme et soutient plutôt une République démocratique du Congo égalitaire et paritaire. Cette journée, et plus particulièrement ce thème, nous rappelle combien le chemin demeure encore long, tant les inégalités en matière de genre, semble transcendante et disparate. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'élu de la FUNA, a été primé dans la catégorie politique et aligné au palmarès de 50 femmes qui inspirent, et ce dans son combat de l'auto-prise en charge des femmes. C'est Colette Tshomba. Je vais suivre ce reportage de Rosenzing. Dans les cadres de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, l'élu de la FUNA et rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, Colette Tshomba Ntundu, a été primé. Aligné au palmarès 50 femmes qui inspirent pour l'année 2023, spéciale 5e édition, Colette Tshomba symbolise aujourd'hui un certain renouvellement dans la conviction de ses idées pour la politique congolaise, mais également dans son combat pour la promotion de la femme. Le plaisir de remettre le diplôme d'honneur
à Madame Colette Tchomba. Présidente du mouvement pour l'intégrité du peuple, MIP en sigle, Colette Tchomba tient mordicus à l'entrepreneuriat de femmes de la FUNA en particulier et de Kinshasa en général. Voilà pourquoi elle organise à chaque occasion, à travers son ASBL Maman des Mobateli, des formations en agrobusiness. Primée dans la catégorie politique, celle qu'on appelle affectueusement la reine de la FUNA, dédie ses trophées à toutes les femmes de sa base. Le secrétaire général du MLC en charge de la logistique et des finances, Jacques Lungwana Matumona, et le président fédéral du MLC, Katarak, maître bienvenu, Tela, ont partagé le 8 mars 2023 un moment de gaieté avec les femmes du mouvement de libération du Congo. Suivez, c'était le mot de Laetitia Lovrizo. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, le secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo, en charge de la logistique et des finances, Jacques Lungwana Matumona, qui avait à ses côtés le président fédéral du MLC Katarak, maître Bienvenu Ntela, ont partagé le 8 mars 2023 un moment de gaieté avec les femmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba de Kwilungongo. Au nom du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui donne une place de choix à la femme, Jacques Lungwana leur a souhaité une bonne fête. Il y a la Journée internationale de la femme, et nous avons voulu partager la joie de nos mamans du MLC avec certains cadres pour que nous puissions faire voir nos mamans qu'aujourd'hui, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Nous sommes à l'égalité et que les mamans doivent se prendre aussi en charge pour que demain nous ayons aussi des autorités femmes dans notre milieu de travail. Dans les MLC, il n'y a pas de situation. La prévalence, vous voyez, les MLC a placé une gamme qui est de la différence de Magaïba, qui est au ministre de l'Environnement, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Donc ça veut dire que vous remettez aussi un homme à sa place, mais on s'est dit. Au même niveau, une femme peut aussi exercer ses fonctions. À l'occasion, le secrétaire général adjoint Lungwana a procédé à l'installation de la nouvelle Ligue de femmes MLC de la cité de Kwilungongo de voir le jour et sa présidente a été installée officiellement. Le cadre du mouvement de libération du Congo, Daniel Mbaosokisa, a tenu le mercredi 8 mars une marche de soutien au FRDC ensemble avec les mamans de sa circonscription électorale de Mwamba, l'école Tulingala où ils étaient. Daniel Mbao a fait un don d'un nombre important d'épargnes aux femmes de sa base. Reportage de Bernice Valenga sur les images de Coupa Arbola. C'est à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme que Daniel Mbaosokisa, élu du district de Mwamba, a effectué une marche de soutien au FRDC en ce 8 mars, ce pour honorer les femmes de son pays, en particulier celles dans la région est du pays. Marche qu'il a effectuée avec toute sa base du Mwamba en général et des mamans en particulier. Prenant la parole, Daniel Mbaosokisa réitère sa volonté à honorer les femmes, ce en appui aux idéaux du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est une grande journée de la femme. Nous célébrons la femme congolaise. Aujourd'hui, nous célébrons la femme maraîchère. Nous célébrons la femme de l'Est du pays. Meurtrie par des guerres, meurtrie par une agression injuste. Et nous plaçons notre célébration sous le signe de la résistance patriotique. C'est ainsi, moi
et ma base. Et donc, les mamans de la circonscription électorale du Mont Amba, nous exprimons à l'occasion notre soutien vis-à-vis des forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous réitérons notre confiance à son Excellence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse à chaque jour qui passe de déployer des efforts pour pouvoir contrecarrer cette guerre injuste. Pour lier l'utile à l'agréable, un grand lot d'épargne a également été remis à ces femmes, pas manquer à manifester leur satisfaction. La vice-présidente du MLC, ville-province de Kinshasa, maman Anne-Marie Makwebo, a réuni plusieurs femmes du MLC, ville-province de Kinshasa. Les échanges ont tourné autour du mois de mars, mois dédié à la femme. C'était au siège du MLC. Nous sommes dans la commune de Kassavubu. Vous suivez. Sensibiliser les mamans sur le bien fondé de la prise de conscience de la femme. C'est dans cette optique que Anne-Marie Makwebo, vice-présidente de la Ligue des femmes MSC Vie-Province de Kinshasa, a sensibilisé les mamans du mouvement de libération du Congo concernant les enjeux en ce qui concerne le mois de mars, mois dédié à la femme. Dans un avenir proche, nous aurons beaucoup de rencontres où nous allons essayer d'échanger sur les avancées de la femme dans la société. Tous ont la réunion à Bissot comme d'habitude. Chaque jeudi, tu as la réunion pour la Kosangana, pour la Kotande, Nini, MLC, Zotambola, Maman de Ribas, la Bemba, des angoisses. Tous ont dit, chaque jeudi, tu as la Soukoro, la réunion à Bissot comme d'habitude. Pourquoi est-ce que Maman Balamou qui baillait, et à chaque jeudi, il y a un mois de mars, et à chaque jeudi, tu as la réunion à Bissot comme d'habitude. Tu as la réunion à Bissot comme d'habitude. Maman Ligue, toye tukuta na bango ba federal ba ye ba komino ba sangai na biso to bana osai réunion chaque jeudi comme d'habitude oh mois de mars ba mama to sa mardi to sangani jeudi to sangani tout temps to aussi ça mois de mars mais to lui ça jeudi mois de mars to do bon sango malem be ko za yombe. Le président de l'UCE, Chantal Moiseau Niamoibo, a communié avec les femmes de son parti politique et ce, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Laetitia Louvezo pour les détails suivis. La présidente Chantal Moiseau Niamoibo a communié avec les femmes de son parti politique et ce dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Laetitia Louvezo pour les détails. Après son séjour politique dans le Grand Katanga, où elle a implanté le parti Union pour un Congo émergent et installé le comité interfédéral UCE Grand Katanga, la présidente de Fondapro et vice-coordonnateur de Horizon 2023, Chantal Mawazo Ndianabo, de retour à Kinshasa, elle a échangé avec les femmes de l'Union pour un Congo émergent Kinshasa, et c'est dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la lutte pour le droit des femmes. Profitant de cette rencontre, Chantal Mawazo a interpellé les femmes à une remise en question de son rôle premier, celui de porteuse de vie, et a martelé sur la confusion du combat que mènent les femmes dans le monde. L'égalité des sexes doit être comprise et bien appliquée dans les foyers comme dans le milieu des services. La grande responsabilité, ça revient aux mamans. Et c'est pourquoi nous, on a organisé ça. Pour essayer un peu de remonter notre conscience et réveiller vraiment les mamans pour qu'on puisse se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire travailler et éduquer nos enfants. Cette date ici, par rapport à tout ce que les mamans ont organisé, notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est juste pour réveiller la conscience des mamans. Les mamans combattent avec nos membres de famille qui sont à l'intérieur du pays, dans les provinces, c'est tout Grand Kivu, là où il y a la guerre qui se multiplie. Les hommes présents à cette cérémonie doublement politique et sociale ont par l'occasion prié pour toutes les femmes afin de bien dissocier la lutte du respect des droits des femmes
et les rôles que doit jouer chaque femme dans son foyer respectif. Elle a ensuite exhorté les femmes présentes à l'auto-prise en charge par la pratique des cotisations en synergie de microfinance pour aider leur petit commerce. C'est dans la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Cyprien située dans la commune d'Ongaliema qu'a servi de cadre la conférence des femmes organisée par Fabrice Nkelani au cadre du parti politique des Libres Travailleurs Démocrates, LTD en sigle, Naomi Benza et Pichou qui les a appelés détails. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes que la Ligue de femmes du parti politique Les Libres Travailleurs Démocrates, LTD en sigle, a organisé une conférence sur les thèmes « Femmes face aux violences domestiques » dont plus de 600 femmes ont pris part à cette activité dans le but de montrer aux femmes le rôle qu'elles jouent dans la société et les sensibiliser sur leur autonomisation tout en les appelant à la conscience et à la responsabilité. Et c'était en présence de Fabrice Kélani au cadre du parti LTD. Nous avons voulu un peu conscientiser les mamans, les instruire pour qu'elles soient différentes des autres, afin que notre société soit composée des membres quand même très très bien éduqués. On ne cesse de penser à nos mamans qui sont violées à l'Est. On ne cesse de penser aux enfants qui meurent à l'Est. Et on continue toujours à penser aussi à nos vaillants militaires qui tombent dans les champs de bataille. Et au niveau politique, on continue à jouer léger pour que nous ayons une armée très très efficace afin de gagner cette guerre, parce qu'on n'a pas la place à la négociation. Mais nous avons la place à gagner la bataille par rapport à une victoire certaine, étant donné que nous avons une armée bien organisée, une armée vraiment blindée des forces redoutables. Par ailleurs, pour aider les femmes à bien commémorer la dite journée, Fabrice Kélani a remis à chacune des femmes une pièce de pagne. Cependant, la journée du 8 mars n'est pas seulement une journée festive, mais aussi une journée de réflexion sur la situation de la femme dans tous les domaines de la vie. Il s'est ouvert un atelier de validation sur le programme stratégique national VIH le mercredi 8 mars au programme national multisectoriel de lutte contre le sida. PDMLS, nous sommes dans la commune de Kassavubu, Prince-Yamboui et Koupar-Bola pour les détails suivis. Lancement de travaux de l'atelier sur la validation du programme stratégique national de la riposte au VIH-SIDA pour l'exercice 2023-2027. Pendant deux jours, les représentants des différentes provinces présents à cette rencontre vont travailler d'arrache-pied afin de permettre aux experts de valider les gros supports des luttes contre le VIH-SIDA en RDC. Ce plan stratégique sera confronté au programme national de développement sanitaire, occasion pour le secrétaire exécutif national du PNMLS, Dr Bernard Bossi, qui délivre les contenus de cette feuille de route. Premièrement, il faudrait que, étant donné que nous sommes dans le domaine des bénéfices opératifs, chaque ministère sectoriel, parce qu'un secteur est composé de plusieurs ministères, chaque ministère sectoriel puisse avoir un document de planification qui peut être un plan sectoriel, disons, ministériel de lutte contre le sida, qui peut être intégré dans les plans du ministère dans son ensemble, qui peut être aussi une feuille de route. Les travaux de validation du PSN 2023-2027 ont été lancés officiellement par le secrétaire général du plan, Daniel Epembe Mosango. Le plan permet à ce que les acteurs, ceux qui sont en train de développer une idée quelconque en termes de projet, puissent savoir d'où nous venons, nous allons. Et pour quelle finalité? Ce plan doit être en cohérence avec le plan national stratégique de développement. Ce que nous appelons le PNSD, dans son contenu, il reconnaît que chaque secteur doit avoir son mini-plan. Signalons que cet atelier du plan national stratégique va se clôturer le 9 mars 2023 à Kinshasa.
La présidente de l'ASBEL et les Lyons, Mme Liliane Bemba, a partagé le dimanche 5 mars un repas de cœur avec les veuves de Guémena dans la province du Sud Oubangui, un repas de cœur où ces veuves ont été nourries non seulement du pain, mais aussi de la parole vivante. Chants, témoignages à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ ont été au rendez-vous. Julie Bassoli et Freddy Takidi pour les détails. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, la présidente de Elle et Lyon ASBEL, Liliane Bemba, a offert dimanche 5 mars un repas de cœur aux veuves de la ville de Guémena dans la province du Sud Oubangui. Venues des différents quartiers de Guémena et ses environs, plus de 250 veuves ont communié avec la présidente de Elle et Lyon dans une ambiance festive. La cérémonie a également été marquée par des témoignages axés sur l'intervention divine en leur faveur et c'est grâce à l'encadrement spirituel dont elles ont bénéficié de la part de Elle et Lyon ASBEL. Depuis 2020, nous avons Venu spécialement du Canada au terme de méga séminaire biblique organisé par Elle et Lyon à Guémena, le bishop Béatrice Malouma, très ému de l'impact de l'évangile auprès de ses veuves, a promis une assistance humanitaire en leur faveur. Je veux rendre grâce à Dieu pour maman Liliane, voir le cœur qu'elle a pour aider ces pauvres femmes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de soutien. Et elle vient de me dévoiler quelque chose, ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Donc je suis tellement dans la joie parce que c'est là où le cœur de Dieu demeure dans la vie des pauvres. C'est un Dieu des orphelins et puis un Dieu des pauvres. Ça me donne déjà l'idée. Prochainement, si le Seigneur nous prête vie, si on vient, on va faire quelque chose encore de plus grand. On va donner des habits, on va donner la nourriture. Et surtout, pourquoi pas peut-être donner un petit fond pour qu'elle devienne indépendante aussi. Le soleil couchant à Guémena, cette célébration grandiose s'est clôturée dans une ambiance de fête. Des femmes de l'Ituri sont appelées à travailler sans complaisance à côté de l'administration militaire pour un retour de la paix et de la cohabitation pacifique en cette période d'agression du Rwanda sous le M23. C'est l'une des recommandations du maire de la ville de Bunia. C'était à l'occasion de la célébration de la journée des droits de femmes. Suivez cet élément de Christian Zangapi. Oui, mars 2023 à Nitouri, une journée dédiée au Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix. C'est dans cette atmosphère angélique que les femmes itouriennes ont célébré la journée internationale de la femme, sous méditation, implorant la miséricorde des dieux pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo en général et en province de Nitouri en particulier à travers un culte œcuménique réunissant toutes les couches sociales. Une journée marquée par des moments forts au cours desquels les femmes se sont exprimées à cœur ouvert. D'accélérer les processus, des programmes de désarmement, de démobilisation, les relèvements communautaires et la stabilisation. À monsieur le chef du bureau de la MONUSCO Ituri, représentant du secrétaire général de l'ONU en Ituri. Plaider auprès du gouvernement congolais pour le respect des 30% des quotas internationalement reconnus en faveur de la participation de la femme aux instances de prise de décision. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabini Wamiyeko John, représentant du gouverneur militaire à la dite activité, a exhorté les femmes à s'approprier la lutte de la promotion de la paix et de l'autonomisation de la femme à travers la nouvelle technologie telle que révélée dans le thème provincial. L'autorité provinciale voudrait saluer la pertinence de ses choix et votre engagement qui nécessite une solidarité forte lors de vos réflexions, sans complexe ni considération ethnique, religieuse et politique, gage d'action cohérente et dynamique en vue de l'atteinte de vos objectifs.
notant que grâce à l'accompagnement de l'administration militaire de l'Ituri, plusieurs activités féminines sont prévues pour ce mois de mars dans l'objectif de pérenniser le thème provincial pour des résultats escomptés par rapport à la paix et à l'autonomisation de la femme en province de l'Ituri. Le président national du mouvement des défenseurs de la République, Kali Lola, appelle la population congolaise à prendre part à la marche pour la paix à l'est du pays, une marche initiée par Lisanga Bonganga pour la stabilité des institutions de la République. Rodi Louadio pour les détails. Donc les élections risqueront d'être hypothétiques par rapport à ce qui se passe à l'est. Il n'y a pas la paix à l'est. En ce moment, nous devons d'abord chercher la paix au lieu d'aller aux élections. Comment on peut aller aux élections pendant que trois territoires sont déjà touchés par le M23? On peut dire que trois territoires sont touchés par le Rwanda à travers M23. Et le Rwanda se prépare à aller au référendum pour récupérer ces trois territoires-là. Si nous partons aux élections maintenant, là, comment on peut aller aux élections pendant que l'Est est vraiment touché? Là, nous voulons entériner la balkanisation. Et je pense que la balkanisation, ce n'est pas avec le président Tshisekedi. Nous devons d'abord aller à la concertation pour trouver la paix et les élections vont venir après. Parmi les grands leaders de l'opposition, il n'a pas tapé à côté. Il a compris qu'il faut soutenir aujourd'hui un seul parti politique qui est la RDC. Et soutenir la RDC, c'est soutenir d'abord son président. Et c'est pourquoi le président Lisanga Bonganga de l'opposition a bien compris qu'il faut d'abord soutenir le chef de l'État et la paix à l'est de la RDC. Donc nous soutenons son idée, nous ne sommes pas avec lui pour dire qu'on est à l'opposition. Non, nous ne sommes pas de l'opposition, mais nous voyons les idées. MDR voit les idées et M. Lisanga Bonganga a l'idée de construire le pays, a l'idée d'aller avec le chef de l'État dans la paix. Nous demandons à tous les Kinois de soutenir la démarche de Lisanga Bonganga et d'aller en marche avec lui pour soutenir le chef de l'État et pour soutenir la paix à l'est de la RDC. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, SIRAP, a formé ses affiliés de l'administration du portefeuille à la démarche syndicale dont l'objectif de doter les animateurs de la délégation syndicale des connaissances expropriées, pour se défendre et défendre en même temps les agents, les fonctionnaires de l'État et tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. Alain Noka pour les détails suivis. Les animateurs de la délégation syndicale du ministère du portefeuille ont bénéficié d'une formation syndicale organisée par les présidents du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, ingénieur Paul Yapai Makengo. Cette formation donnée au bâtiment du ministère du portefeuille a porté notamment sur la législation dans le monde du travail, l'histoire du syndicalisme à travers le monde et en RDC, la démarche syndicale et l'effet syndical, comment faire pour déclencher une grève, la négociation entre l'employeur et le syndicaliste dans une atmosphère de la revendication syndicale. Il a été dit clairement, malgré la revendication et le climat tendu, les syndicalistes sont appelés à protéger l'outil de travail qu'est l'entreprise, la société et en même temps sécuriser le matériel du travail. La présente session de formation a pour objectif principal d'initier et outiller le syndicaliste du ministère du portefeuille afin qu'il soit compétitif et en matière syndicale et du travail, mais également savoir se défendre et défendre en même temps les agents et fonctionnaires de l'État devant l'employeur qui n'est autre que le gouvernement. Nous venons de les enseigner et de les former et informer de toutes ces préoccupations syndicales que notre base syndicale n'avait pas de connaissances. Nous disons toujours que mon peuple est connu par manque de connaissances. Si mon peuple n'est pas enseigné, il n'est pas informé. Si la masse ouvrière n'est pas informée, elle peut faire n'importe quoi au sein d'une entreprise, soit au sein d'une entreprise. C'est comme ça que nous avons apporté cette nouvelle matière que vous retrouverez seulement au syndicat SIRAP pour former ces membres. Donc, ils sont reléqués dans la lignée des sixièmes membres. Et nos membres qui sont formés, comme nous avons fait la formation. Depuis sa création, le syndicat SIRAP maintient la stratégie de former ses affiliés au syndicalisme, ce qui fait la force de ce syndicat au point de se poser deuxième force syndicale en RDC à l'issue des élections de 2013. Christiane Ziangambeletis Alouzo a assuré l'édition de ce soir. Rodi Louadio était à la régie, Samson Pembele était à la régie, sans oublier
Tony Binda. C'en est fini pour ce soir, la rediffusion à minuit et puis demain à 7. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, la présidente de El Elyon Asbel, Liliane Bemba, a offert dimanche 5 mars un repas de cœur aux veuves de la ville de Gemena dans la province du Sidoubangui. Venues des différents quartiers de Gemena et ses environs, plus de 250 veuves ont communié avec la présidente de El Elyon dans une ambiance festive. La cérémonie a également été marquée par des témoignages axés sur l'intervention divine en leur faveur et c'est grâce à l'encadrement spirituel dont elles ont bénéficié de la part de El Elyon Asbel. Amen. Amen. Tango na ye, tango mate anga matonde azo pesa nga elendi singa makasi po makanisi ona potanga na kati po soki na tika kala makanisi wana zali lona po moite bongo siko mate ya wana mwana azo pesa eleki maele na biso yango elendi singa na kati na lisanga depuis 2020 na buto na nga ka biloko moke tambo yanga na makolo bo soki botali bakona nga yi ezo brele longwa ba poso donc en délivrance alo bi de zaki yanga na malamisa to na zini na mai de mama alo bakilo bi yango na biki na kombo na Yesu Kristo deuxième tour oyo tozala ki na losambo mama alo baki biso to tombola maboko likolo na basinga nyonso tu banyama nyonso to nyoko eza kotambola na mokongo eza kokita na makolo makolo eza kochofe nzambe na ngai tango totelemi na tomboli maboko likolo moko na yoki na misapi na ngai nyonso tu zomi na bandi koyoka monte bandi kokita monte bandi kokita bote ekomi na mosapi na ngai na makolo tango ekomi na makolo emati eyoko kale awa na mokongo pe tango yango esuki na mokongo mbala moko na yoki awa na panzi na ngai esali mba moko ki tango na yoki ki nabi oyo eza frese to eza nini babondeli tango tobondeli boti ndenge nake kofanda mbala moko na bandi mbala misato nazongi nakoma na ndako banda ndenge nazongi ti lelo mokolo na suka naze koyoka esusu yango te mpe nabiki na kombo na yesu petela yesu kristo mabete Venu spécialement du Canada au terme de méga séminaire biblique organisé par El Elyon à Gemena, le bishop Béatrice Maluma, très ému de l'impact de l'évangile auprès de ses veuves, a promis une assistance humanitaire en leur faveur. Je vais rendre grâce à Dieu pour maman Liliane, voir le cœur qu'elle a pour aider ces pauvres femmes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de soutien. Et elle vient de me dévoiler quelque chose, ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Donc je suis tellement dans la joie parce que c'est là où le cœur de Dieu demeure, dans la vie des pauvres. C'est un Dieu des orphelins et puis un Dieu des pauvres.
ça nous donne déjà l'idée. Prochainement, si le Seigneur nous prête vie, si on vient, on va faire quelque chose encore de plus grand. On va donner des habits, on va donner la nourriture. Et surtout, pourquoi pas peut-être donner un petit fond pour qu'elle devienne indépendante aussi. Le soleil couchant à Guémena, cette célébration grandiose s'est clôturée dans une ambiance de fête. Come on,